c'est une opportunité quand même de pouvoir jouer dans un grand orchestre. J'ai fait découvrir la musique classique à mes parents et à mon frère. Là-haut. Bonjour, bienvenue. Bah écoute, tu peux aller en grande salle rejoindre les autres. L'Orchestre Métropolitain des Jeunes, c'est un orchestre de jeunes de la métropole européenne de Lille. Donc ils sont au nombre de 78 sur ce stage. Ils regroupent des instrumentistes à cordes, bois, cuivre. En fait, ils sont là pour constituer un orchestre symphonique. Je suis quand même stressée parce que c'est une salle... J'allais regarder des spectacles quand j'étais petite, donc y jouer c'est particulier. Mais oui, j'ai hâte quand même. Je pense qu'on a un peu tous hâte de jouer là-bas. Vous voyez le moment où il voit l'iceberg de loin et qui se dit « c'est trop tard, on va tous mourir ». Eh bien, c'est ce qui se passe un peu avec les cuivres. C'est ce danger qui approche. C'est exactement la même musique. C'est qu'on leur apprend en fait un grand répertoire. On fait par exemple les planètes de Holst, on fait Asturias de Albéniz. Et en une semaine, on essaye à la fin de proposer un petit concert pour les parents afin qu'ils puissent voir l'évolution. Et le challenge, c'est que chacun puisse trouver sa place et puisse évoluer à travers le groupe. Et ils apprennent des valeurs qui sont très importantes, celles de la concentration, du respect de l'autre, de l'estime de soi. J'ai découvert cet instrument en écoutant la musique Pierre et le Loup. Et bah, je suis tombée amoureuse de cet instrument. Nous avons devant nous le nouvel orchestre métropolitain des jeunes que je vous demande d'applaudir. Voir son enfant dans un orchestre et dans un programme aussi grand sur la métropole et aussi fière en fait. Je trouve ça incroyable. En 5 jours, je suis bluffée.